Voilà, bon retour sur l'interview d'hier. Nous allons parler éducation en Haïti, puisque quand on bibliothèque les ouvrit, donc les permet que un pile jeune, un pile intellectuel, à fouiller, à chercher connaissances, mais aussi et surtout, les permettre que jeunes dans zone nord, y a même y a frité espace pour y cultiver. Et ça qui expliquait que député Jerry Tardieu, qui lui-même dans tête groupe ça, qui inaugurait la bibliothèque dans Petion Ville, inauguration était faite en présence d'un pile intellectuel et membres du secteur privé et des parlementaires. En tout un extrait dans le reportage qui fait son inauguration. Après ça, nous allons parler avec le député Jerry Tardieu. Le tremblement de terre de 2010, la commune de Pétionville est devenue le poumon des activités mondaines, culturelles, académiques et même économiques de la capitale haïtienne. Sa population est passée de 200 000 à 700 000 personnes en moins de 10 ans. Mais paradoxalement, Pétionville ne disposait pas encore d'un centre culturel d'envergure, encore moins d'une bibliothèque. Aujourd'hui, c'est chose faite. La bibliothèque de Pétionville a ouvert ses portes au grand public. Un joyau architectural aux couleurs vives qui accroche le regard des passants, ces fresques murales attirent tous les jours la curiosité de nombreux écoliers venus de partout se faire photographier en mode selfie ou en groupe. Devant les fresques murales dessinées par les deux jeunes talentueux artistes haïtiens, Élisée Hamson et Reynald Beaufort, la bibliothèque est vite devenue une destination prisée par la jeunesse. Un véritable havre de rencontre des écoliers qui en ont vite fait leur espace d'échange, d'apprentissage, de lecture, de débat. Un véritable lieu de brassage social où l'on se rend pour surfer sur le net, étudier, ou faire des recherches en toute sérénité. Une bibliothèque, c'est avant tout un défi. Celui de réunir les savoirs et les écrits en un seul lieu magique. Ce défi, les hommes et femmes de la commune de Pétionville l'ont réussi en se serrant les coudes. Un exemple à suivre. Voilà, nous recevons un reportage en inauguration en bibliothèque ça, de la parole aux actes dans cette promesse de campagne, député Jerry Tardieu. Oui, c'était une promesse de campagne et nous connaissons les promesses d'être. L'MD en campagne, moi, j'ai marché tout le côté dans cinq sections communales dans la commune Pétionville et moi, j'ai en contact avec les jeunes. Je me demande qui ça a été aimé vraiment au Wena Pétionville. Il y a des gens qui ont besoin de médiathèque, il y a des gens qui ont bibliothèque, qui dit centre culturel, qui parlait du centre de formation professionnelle. Mais l'aime bien garder Patrick et Liancy, moi réaliser que ça, jeune, y a besoin de Pétionville. Son espace qui est au chez maître, chez maîtresse. On base, on côté, on capable à l'aise, on capable apprendre, on capable rencontrer, on capable échanger, et on capable relax surtout. Nous garder, nous voyons que bibliothèque ça, il n'y a pas seulement un espace qui est livre en dur et en numérique. Il n'est pas seulement un espace qui offre des cours de français, de créole, de numérique. Il n'est pas seulement un espace où on regarde une exposition de peinture, de photos. Mais on pourrait que gagner toute une installation qui est faite pour que nous soyons capables de gagner, disons, des projections de films en plein air, des projections de films documentaires, des représentations théâtrales, des représentations culturelles, des manifestations culturelles. Donc, c'est tout ça que nous pour mettre jeunesse Pétionville là. Et c'est pour ça que nous prenons une décision pour nous créer la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville. Michel Tardieu, c'est ma maman, et pour qui ça me choisit, non ça, c'est parce que son projet qui a une dimension très émotionnelle et personnelle pour moi. L'MT petit, Patrick Eliancy, moi, j'étais l'école Saint-Louis, l'MT en primaire, et tous les vendredis, j'étais dans le canet. L'MT font bon canet, ma maman était traversée avec moi, sorti du centre, mais elle m'a pavé, n'allait dans la librairie, c'était là, elle était acheté un livre pour moi. Et moi-même, moi pas trop content parce que tout l'autre timonio, maman aussi jouette, tu qu'on acheté pour lui, tu jouette, tu revolver, tu tiré de l'eau. Et elle me dit, maman, pour qu'il soit pas acheté ton jouette pour moi, elle me premier, elle me deuxième, elle me troisième. Elle dit, l'or grand va comprendre. Et je dis à moi comprendre que ça que fait moi ça mieux, je dis à, c'est parce que depuis tout petit, maman inculqué le goût de la lecture. Donc, moi pensais que un remerciement à ça le fait pour moi. Et moi nommé bibliothèque, la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville. Et j'aime t'avoir rappelé. Et tout le monde qui est venu dans le lancement, c'est plus de richesse, plus de héritage. Ils ont parents qui étaient pour Simon en Haïti, c'est ça le gain dans le calbas tête. Parce que là, Simon, l'éducation, la formation,
ou bal munition avec zambou goumé dans la vie non pays tant qu'au Haïti qui est tellement difficile. Moi pense que c'est un très bon travail parce que je ne veux dire là avec la technologie, j'ai l'impression que Timonio commence à délaisser livres. En plus, Timon, je ne veux dire là, c'est sur internet qui a les livres, c'est sur on sait de l'autre médiathèque côté que yo a pas et surtout à faire recherche, mais la lecture l'a pour faire lecture ou à magazine ou à faire vocabulaire ou à écrire ou à prendre style, il peut mettre que une formation générale intégrale la carte le jeune haïtien. On voit le coût d'investissement de réalisation travail ça depuis le Tardieu. Bon, c'est un investissement et qui l'on compte immobilier ou compte tout équipement ou compte fonds de livres et son investissement qui dépassait 1.3 1.4 millions de dollars. Ouais, mais nous même nous pas compter les nabaille. D'autant plus que nous ne faisons pas pour compte, nous sommes une œuvre collective. Et ça qui fait un plaisir, c'est garder pour nous voir comment le secteur privé, société commerciale, entreprise, notable, entrepreneur, vous mettez avec nous pour aider nous réaliser bien le rêve. Le rêve, ça n'est pas possible, c'est pas solidarité en pile en milieu dans le secteur privé, nous profiter de dire merci. Ce n'est pas possible tout si pas de solidarité en plus en milieu dans la diaspora. Et c'est chaque jour que nous recevons des dons de livres, d'ouvrages, d'équipements. Pas plus tard qu'il y a une semaine, nous recevons et un don de 10 ordinateurs tout neufs de la part de M. Jean-Pierre Thiogo qui sont haïtiens qui vivent Miami, que nous rencontrons seulement une fois dans la vie. Mais qui comptent ça en affaire et qui estiment que faut le contribuer pour te coller avec nous. Donc, travail à beaucoup fini pour sa capitaine de nous, n'a dit nous ouvert. Tout le monde qui a besoin des bibliothèques là, nous besoin de toute qualité bagaille qui pour correr Timonio. Nous besoin d'imprimantes, nous besoin de copieuses, nous besoin de computer, nous besoin de livres, nous besoin d'ouvrages en français, en créole, en anglais. Et nous avons dit tout le monde Miami. Là où descendre en Haïti Koulia, vous mettez descendre visiter bibliothèque là. Parce qu'au-delà d'être une bibliothèque, comme dit nous, dernière surprise nous avons, c'est que nous avons aménagé en dans bibliothèque là. On tient espace qui sont mini-musées de l'histoire de Petion Ville. Ça veut dire, au monde qui ouais, depuis la Petion Ville fête en 1831, et par Jean-Pierre Boyé, à l'époque, le patron de Petion Ville, l'idée de la coupe, et bien, on a regardé à travers des photos d'époque, à travers des textes historiques, toute l'histoire de Petion Ville. Donc, bibliothèque, ça, c'est pas seulement destination intellectuelle, académique, à vocation formationnelle, mais c'est pour le tout un espace côté un monde capable de vivre une tranche d'histoire d'Haïti. Parce que nous-mêmes, nous estimons que ça qui fait nous appétiser dans le pépin et le pays, c'est parce que souvent nous ne prenons pas le temps pour nous garder l'histoire d'Haïti, pour nous rejoindre une belle histoire et pour nous faire mieux que ça n'a fait là, pour ne pas faire dans cette nuit honte. Voilà. Merci, député Tardieu, député de Petionville, qui est un homme d'affaires, qui défend le de campagne à la jeunesse de Petionville. Je veux dire là qu'il y a une bibliothèque moderne qui répond à l'exigence du moment et qui gagne tout une dimension pour permettre que ni jeunes Petionville, ni intellectuels dans la région, à l'immeuble connaissance et contribuer à développement pays. Merci encore, député Tardieu. À ce moment-là, des politiques. Eh bien, nous faisons trop politique, il faut faire culture, il faut faire économie, tout. Voilà. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. On a causé avec le député Jerry Tardieu, député de Petionville, autour de l'inauguration de la bibliothèque Michel Tardieu, la bibliothèque qui porte d'ailleurs le nom de sa maman. On a point pause, on a tout à l'heure sur notre édition de la télévision d'hier.